ce temple Jaïn, comme tous les autres qui sont ici, je crois qu'il y en a 7 qui sont regroupés dans un endroit, ils datent donc entre le 15e et le 16e siècle, d'accord ? On y retrouve les grandes marques la sculpture hindoue, vous allez trouver exactement les mêmes scènes, mais simplement au 15e siècle, eh bien, c'est beaucoup plus chargé encore qu'à l'époque médiévale, d'accord ? Alors ici, on est dans l'emplacement du mandapa, hein, avec cette féerie, hein, au niveau de la toiture, les couples qui aboutissent comme ça à la fleur centrée avec Ganesh. Et puis la différence par rapport à un temple hindou, ça va être qu'on va vénérer les statues des passeurs de guet, hein, les Tirthankara dont on a parlé dans le cas, et qui sont donc considérés comme les ceux qui permettent le passage vers le nirvana. Le commerce encore de la soie, etc., jusqu'au 19e siècle, ça marche. Et ils investissent donc dans des maisons privées qui ont donc toujours le même système. Finalement, c'est la même cour qu'au fort de Jodhpur, un peu plus simple, mais à mon avis presque plus jolie, parce que du coup, vous avez des petites gravures au lieu de cette dégoulinade de sculpture, enfin, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus sobre, mais les fenêtres, par exemple, qui sont barrées, voyez, au milieu avec ces volets de bois. Et puis des balcons ajourés qui sont splendides, hein, toujours avec un décor de fleurs de lotus à la base et un petit peu partout. Quelques signes apotropaïques distinctifs, mais la fleur de lotus reste première. Alors, il faut imaginer donc toute la ville basse comme ça au 18e, au 19e siècle, avec ces maisons riches de commerçants qui étaient les patrons du grand commerce. Le grand art de Jaisalmer ne vient pas dans l'innovation ici, ni des motifs, ni des thèmes, mais dans le fait d'avoir, c'est surtout dans le précédent, cette surcharge de sculpture qui crée un effet encore plus magique peut-être qu'ailleurs. Thank you.
Ça m'a rappelé une histoire un peu drôle. Tati, pas tous. Ah, un petit sourire. Ok, t'as eu le temps de le prendre? Oui. Very nice. Mon nom Gita.